Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission. On pourra dire que c'est la dernière émission avant la rentrée des classes qui nous fera dire à partir de lundi, c'est la rentrée. Ah, plus une seule place assise dans les bus et dans les trams. Oh, quoi qu'il en soit, les informations qui vous concernent, les bons plans ou les choses sur lesquelles il faut essayer d'être attentif avec les dates, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Et puisque nous parlons de la rentrée, en ce qui concerne certaines activités qui se tiennent dans la cité des Avenchais, les repas à 5 francs vont bientôt recommencer leur service. Le premier repas de la rentrée sera servi le mercredi 6 septembre. Nous avons déjà reçu le repas pour cette rentrée. Ce sera une salade de saison suivie d'une saucisse à rôtir accompagnée d'un gratin de pommes de terre et de haricots. Et en dessert, panna cotta avec coulis de fraises. On vous rappelle qu'il est préférable de s'inscrire pour les repas à 5 francs. Pardon. Le numéro d'appel qui est mis à votre disposition, c'est le 076 630 33 71. On le redonne si vous n'aviez pas eu le temps de le noter. 076 630 33 71. Il y a également une adresse de courrier électronique qui est mise à disposition, dont l'intitulé est le suivant: repas à 5 francs @gmail.com. Dans repas à 5 francs, il faut mettre le 5 en chiffres et non pas en lettres. On vous rappelle que ces repas sont servis au centre de quartier des Avenchais dès midi. Les repas sont également disponibles à l'emporter si cela peut vous rendre service. Et puis pour les inscriptions, le dernier délai pour effectuer celles-ci, c'est le mardi précédant le repas avant midi. Et puis si pour le repas du 6, vous n'aviez pas la disponibilité, mais désirez déjà connaître les menus pour les dates au-delà pour le mois de septembre, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association, dont l'adresse est repasa5francs.simplesite.com. Et là, vous allez pouvoir découvrir différentes informations, dont les menus qui seront proposés pour le mois de septembre. Autre information que l'on a distillée pendant l'été, mais là cette fois-ci on s'en rapproche puisque ce sera samedi prochain, c'est le rendez-vous des thés dansants pour les seniors aux Avenchais. Cette rencontre musicale se tiendra le samedi 26 août. Les horaires, c'est de 14h à 17h. Le lieu, c'est le centre de quartier des Avenchais. Si vous désirez des renseignements, vous pouvez vous adresser aux organisateurs. Le numéro d'appel, c'est le 076 327 3208. On peut le redonner. 076 327 3208. On vous rappelle que pour cette manifestation, l'accès est possible pour les personnes à mobilité réduite. Et puis sur le site, pâtisseries et boissons à prix modique sont disponibles. Et quant à l'animation musicale, elle est assurée par l'orchestre Arpège. Autre information où là aussi il y a une date délai d'inscription, nous avions eu l'occasion d'en parler au début de l'été et pendant les vacances. Cela concerne une invitation qui est lancée aux résidents des Avenchais à partir de 55 ans et qui est à l'organisation du contrat de quartier des Avenchais. C'est une sortie qui va être organisée le 21 septembre et le lieu qui est prévu, c'est le Chaplin World. Il y aura également un repas au bord du lac à Montreux qui fera partie de cette sortie. Alors, si vous êtes intéressé, sachez que l'inscription doit se faire auprès du service de la cohésion sociale et avant le 6 septembre. On a encore quelques jours, mais on s'en rapproche grandement. Pour contacter le service de la cohésion sociale, il y a un numéro de téléphone que vous devriez commencer à connaître, mais on vous le mentionne quand même. 022 306 06 70. 022 306 06 70. Attention à respecter les horaires pour faire vos appels. Le matin, c'est de 9h à midi. L'après-midi, c'est de 13h à 16h. Mais le mardi, par contre, le central ne sera pas disponible. Il est donc peut-être évidemment plus facile d'utiliser une adresse de courrier électronique qui est la suivante: senior au pluriel @vernier.ch. Et pour cette sortie, là aussi on insiste, les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues. Pour marquer ce dernier week-end avant la rentrée, il y a une opération qui a débuté au début du mois de juillet, c'est le cinéma en plein air. Les séances commencent à 21h. Il y a sur le site des transats à disposition, mais le nombre en est limité.
S'il y a mauvais temps, cas de pluie ou autre, eh bien, il y a de fortes chances que les projections soient annulées. On vous rappelle que celles-ci sont gratuites. Et le lieu, c'est le parc des Libellules. Et il y aura encore deux séances dont vous pouvez profiter. C'est à la fin de cette semaine, vendredi, nous serons le 25 août. Le film proposé s'intitule Demain tout commence de Hugo Gélin. Et puis le lendemain, le samedi 26 août, c'est Sing Street de John Carney qui sera proposé. Voilà donc pour ces deux dernières séances du cinéma en plein air. Après, eh bien, il faudra patienter jusqu'à l'été 2018. Et puis, une autre opération qui va se tenir encore ce week-end, ce sera dimanche. Elle est organisée à l'initiative du contrat de quartier de Verny-Village. Donc, dimanche, nous serons le 27 août. Les horaires pour cette manifestation, c'est à partir de 11h jusqu'à 18h. Et la manifestation s'intitule Le mur est à vous. Et le lieu, c'est le préau de l'école des Ranges. Alors, c'est l'occasion pour vous eh bien, de venir exprimer au moyen de bombes, de sprays, sur des panneaux d'environ 1,50 m de haut sur 1 m de large, l'art de dessiner ou ce que l'on appelle l'art du dessin de rue. Il y aura également une formation qui sera assurée sur place. Il y aura tout l'équipement, bonbonnes, combinaisons, masques, gants, lunettes de protection qui seront mises à disposition de la population. Alors, si vous voulez passer un agréable moment, on vous rappelle le lieu. C'est le préau de l'école des Ranches, la date le 27 août, les horaires de 11h à 18h. Et puis, il faut savoir que sur place, il y aura trois artistes de renom qui sont spécialisés dans le street art. Et ceux-ci vont réaliser une fresque en direct et ce sera un panneau de 8 mètres carrés. Ce sera sans doute intéressant de voir le résultat final et aussi de savoir où est-ce qu'il sera exposé par la suite. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a de quoi faire. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, je dirais, du début du mois de septembre, vous allez voir que les activités associatives vont reprendre. Si vous suivez nos programmes, vous savez que le mercredi, l'émission est en direct. Si vous voulez la revoir, vous pouvez la regarder le jeudi sur le réseau câblé à partir de 14h, que ce soit sur le réseau UPC ou encore sur le réseau Naxu. Si vous n'aviez pas accès à tous ces moyens dits câblés, il vous reste encore Internet sur YouTube. Vous tapez tout simplement Canal 29 Avonchet Vernier et vous aurez l'occasion de trouver toutes nos réalisations. Il y en a un peu plus de 200 en ligne. Voilà, cette émission se termine pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, toujours à 20h en direct le mercredi ou le jeudi à partir de 14h pour la rediffusion. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.